Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans ce troisième épisode de Au coin du DVD. Dans ce troisième épisode, on va enfin passer une vraie lettre de l'alphabet. On va commencer avec les A. Et dans les A, j'ai beaucoup de films qui sont assez atypiques. C'est-à-dire que bon, j'ai des films qui sont vraiment cultes, de type les Aliens, j'ai des classiques du cinéma comme Amadeus. Et je cherchais vraiment un film qui, lors de sa sortie, a connu, on va dire, une mauvaise publicité. Parce que il faut savoir que des fois, il y a des films, lorsqu'ils s'apprêtent à sortir dans les salles de cinéma, on leur colle une petite étiquette parce que, ben, dans un certain festival, par exemple, comme ici c'est un peu le cas du Festival de Cannes, eh ben, ces films se voient un petit peu décriés dans le genre « C'est quoi cette merde? Pourquoi on projette ça? C'est ignoble de montrer ça aux spectateurs, ça se fait pas, c'est dégueulasse. » Hashtag irréversible. Et ben, que vous dire si ce n'est que Assassin, le deuxième long métrage de Mathieu Kassovitz, a connu quasiment le même sort que Irréversible. Parce que en 97, donc Mathieu Kassovitz ressort de La Haine. Et La Haine, vous l'avez tous vu, je pense. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez le voir, ça va devenir un petit film culte pour vous. Tout le monde est sorti de La Haine, donc. Et donc La Haine, ça a été un coup de poing, un uppercut, ça a renversé les codes du cinéma, ça a permis à un jeune auteur de s'imposer auprès du grand public, et en plus de ça, c'était un cinéma extrêmement genré, et surtout très atypique et jeune à l'époque. Donc les gens sont sortis de La Haine. Ils se sont dit, waouh, Mathieu Kassovitz, il fait des trucs de dingue, c'est extraordinaire, il faut que, pour la suite, il fasse un truc encore plus fou. Et Mathieu Kassovitz s'est exactement dit ça. Et il nous a pondu Assassin, qui raconte littéralement l'histoire d'un jeune homme qui va tomber sur la route d'un assassin, qui va d'abord essayer de le tuer, et ensuite cet assassin va le prendre sous son aile, parce qu'il voit peut-être du potentiel en lui. Le pitch est assez simple, c'est le traitement en fait qui est intéressant de la part de Kassovitz, parce qu'ici il choisit d'opter pour un traitement extrêmement réaliste, et surtout très sociétal, dans le sens où ça va pas juste être un espèce d'archétype de mafieux ou des choses comme ça, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui tue des gens presque pour le plaisir, mais qu'il les tue bien, parce qu'il faut pas qu'on le retrouve. Et tout l'intérêt donc de ce film est de montrer en fait à quel point, comme le dit la punchline sur la jaquette, toute société a les crimes qu'elle mérite, justifiés ou non. Et c'est là en fait que ça a pas plu à beaucoup de personnes, parce que lorsque c'est sorti, pour la plupart des gens, Assassin, c'était un film qui signifiait une chose: la violence est nécessaire. Et en plus, une violence montrée à l'écran de manière très réaliste et surtout très crue. Et franchement, la première fois que j'ai vu le film, je dois être honnête, j'ai pas plus que ça apprécié l'expérience. Et je me suis demandé si Kassovitz était vraiment clair dans ce qu'il avait voulu faire. Il m'a fallu un deuxième visionnage pour réellement cerner ce que Kassovitz avait envie de nous montrer. Il voulait nous montrer des fois qu'il y a des choses absolument horribles et que il faut les montrer au cinéma, parce que même si c'est horrible, même si c'est insoutenable, même si on a du mal à les regarder, et ben ces choses-là, elles existent. Et ici, la chose que Kassovitz a voulu montrer, c'est que la violence gangrène notre société et ne cesse de plus en plus de la gangréner. Et on en est à ce point où, vous savez, il y a des fois des DVD qui sortent et il y a des petites intros. Genre, pour vous donner une idée, un truc qui me fait mourir de rire, les Marvel maintenant sont tout le temps introduits par les réalisateurs. Et honnêtement, vous voyez les frères Russo essayer de vous introduire Endgame ou Infinity War, c'est presque à mourir de rire tellement les mecs essayent de s'inventer des intentions de réalisation qui étaient peut-être pas forcément présentes une fois le tournage. Mais des fois, on a des DVD qui ont des intros très atypiques. Et celle d'Assassin est assez magique. C'est une intro de quasiment 5 minutes avec un Kassovitz dans sa piole avec une caméra qui filme en infrarouge qui nous explique que non, mais quand il est sorti, mon film, tout le monde a dit que c'était de la merde. Je me rends bien compte que c'est particulier, mais j'avais voulu faire un film qui sorte un petit peu des gonds, qui essaye de faire autre chose. Et c'est un peu comme Vignan. On y viendra peut-être un jour, mais Vignan de Fabrice Duwels, il y a le même type d'intro sur le DVD. Et c'est triste, en fait, de voir des metteurs en scène qui ont besoin presque de justifier un parti pris, ou en tout cas une démarche très tranchée. Et voilà, rien que pour ça en fait, c'est pour ça aussi que je veux faire cette émission, c'est pour vous rappeler que des fois sur les DVD ou sur les Blu-ray, il y a des petites perles comme ça qui sortent de nulle part et qui rendent l'expérience encore plus attrayante et encore plus fascinante. Et c'est vraiment moi l'effet que ça m'a fait. C'est-à-dire que la première fois donc que j'ai regardé le film, je vous l'ai dit, j'ai pas pu s'apprécier, malgré l'intro de Kassovitz. Et pourtant, lorsque j'ai terminé le film, je repensais à cette présentation. Et je me suis dit, attends, il m'a quand même expliqué qu'il avait une démarche très tranchée. Remis dans ce contexte-là, maintenant que j'ai vu le film une première fois, regardons-le une deuxième fois, essayons de comprendre cette démarche. Et c'est là que j'ai mieux compris la démarche.
qu'à partir de là, j'ai envie de vous pousser à voir en fait Assassin, parce que même si c'est un film qui va vous sembler très dur, parfois un petit peu compliqué, rien que pour la performance de Michel Serrault qui est extraordinaire du début à la fin du film, et Kassovitz qui en genou arrive vraiment à créer un ressenti très acerbe pour le spectateur, rien que pour ça, ça vaut le coup de le regarder et de le réhabiliter. Parce que je me doute bien qu'il y en a beaucoup qui vont sortir choqués, ça serait pas étonnant d'en voir certains parmi vous qui me disent qu'ils ont détesté le film, mais c'est un film très atypique, avec une démarche tellement particulière que c'est à voir. Regardez Assassin, revenez ensuite me donner votre retour. Ainsi s'achève ce numéro 3 de Au coin du DVD. Et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à explorer ma DVD Tech qui ne cesse de s'agrandir, j'ai l'impression. Mais d'ici là, n'oubliez pas, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.